Là, c'est parfait. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir dans le titre, c'est une deuxième vidéo sur le recel. Donc, c'est la deuxième partie de la première vidéo, comment débuter dans le recel de sneakers. Aujourd'hui, j'étais censé faire une vidéo sur les bottes, mais je vais pas vous mentir, j'ai reçu quand même pas mal de questions par rapport à la vidéo sur le recel. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ouais, très bien de parler de ça, tout ça. Et je me dis, bah, autant répondre à ces questions en vidéo aussi. Du coup, ça sera la deuxième partie. Vous inquiétez pas, vidéo sur les bottes dimanche prochain. Là, c'est sûr. Voilà, là, c'est la dernière partie sur comment débuter dans le recel. Je voulais la faire comme ça au moins. Je clôture le bail. Là, je pense quand même que je vais vraiment tout aborder. Le but aussi, c'est que vous ayez vraiment toutes les clés. C'est pas que je vous donne juste certaines choses et pas d'autres. C'est pour ça que je vais vraiment essayer vraiment de tout préciser dans cette vidéo. Encore une fois, si vraiment j'oublie certaines choses, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, tout ça. Enfin, pas de souci, je vous réponds. Bien sûr, le follow avant. Mais logiquement, je vais vraiment tout aborder parce qu'on m'a vraiment envoyé certaines choses et c'est très intéressant. Et voilà quoi, ça m'a du coup poussé à faire cette vidéo. Sur ce, on passe au thème de la vidéo. Let's go! Donc, bon, la dernière fois, voilà, je vous avais parlé du recel, etc. Je vous avais donné des conseils, ne pas lâcher, mettre de côté tous ces bénéfices, plein de choses. Je vous ai même parlé des différents types de recel, etc. Maintenant, je vais préciser certaines choses. Donc, voilà, certains m'ont dit, ouais, tu nous as pas dit où est-ce qu'il fallait vendre ses paires, comment savoir si une paire va se revendre, s'il faut stock ou vendre assez vite une paire, enfin, plein de choses. Et c'est vrai que je les ai pas précisées, alors que c'est quand même assez important et ça sert dès le début. Donc, je vais préciser toutes ces choses dans cette vidéo. Bien sûr, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit sur les bots, sur le recel. Je compte aussi faire des live cop, donc ça arrive très très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Tous ceux qui s'abonnent, tout ça, vous êtes vraiment les meilleurs, je vous dis. Tout petit commentaire pour me dire que vous kiffez mon contenu, vos messages Insta, tout ça. Je vous dis, vous êtes juste les boss. Peut-être pour vous, c'est pas grand chose. Vous dites, bon, je vais envoyer un petit DM. Et vraiment, je vous le dis, quand vous envoyez ce genre de choses à un créateur de contenu, surtout qui débute, et même je pense qui est assez loin, ça lui fera toujours plaisir. Et continuez vraiment à donner de la force. Vous êtes juste les meilleurs. C'est ce qui me pousse vraiment à continuer ce genre de contenu parce que je vois que ça vous plaît. Bien sûr, le like aussi. Voilà, c'est une seconde aussi, c'est gratuit. Voilà, tu likes, ça me permet aussi d'avancer. Ça me permet juste de grow, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, merci à tous ceux qui feront toutes ces choses. Il y a aussi mon Instagram, donc c'est Kraken Sneakers tout collé, donc sur lequel je poste des photos, des paires que je cope et des stories de ce que je cope aussi. Donc si tu veux voir ce que je cope, etc., ça se passe sur Insta. Tu peux m'envoyer un DM Insta, bien sûr, le follow avant si tu as besoin de quelque chose, si tu as une question ou si juste tu veux me dire, voilà, kiffe tes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez même pas à faire ce genre de choses, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de messages. Il y a aussi, pour ceux que ça intéresse, mon Twitter. C'est vrai que j'en parle pas trop, mais j'ai aussi un Twitter, donc c'est Kraken Sneakers tout collé aussi. Donc pour ceux qui ont Twitter, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter hein, si vous n'avez pas Instagram. Mais ou pire, on me follow sur les deux. Ça, vous êtes au courant de A à Z quand je sors une vidéo. Vous pouvez me contacter sur n'importe quelle type de plateforme, etc. Enfin voilà quoi. Comme ça fait plaisir. Sur ce, on passe réellement au thème de la vidéo. Let's go. Donc, la dernière fois, j'ai précisé certaines choses, mais pas d'autres. En fait, j'ai oublié quand même des choses assez importantes. Heureusement que vous êtes là pour me les rappeler parce que ben, je vous avoue que sur le coup, c'est con, mais je me suis vraiment pas dit, ah ouais, mais c'est vrai, j'aurais dû parler de ça. Non. Bon, pour moi, j'avais vraiment tout abordé, ce qui était totalement faux en fait. J'avais vraiment oublié des choses assez importantes. Donc, on va commencer déjà par où commencer. Il y a une personne qui est venue et m'a dit, mais frérot, t'as fait ta petite vidéo, elle est sympa, mais tu nous as pas clairement dit par où commencer. Donc, tu nous as donné des conseils. D'ailleurs, je vous invite à regarder pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur comment débuter dans le recel. Elle est dans la description. Elle apparaît aussi juste ici, logiquement. Donc voilà, tu la regardes après celle-ci ou tu peux mettre pause et aller regarder l'autre comme tu veux. Dans tous les cas, ça fonctionne. Mais voilà, dans d'autres vidéos, je donnais surtout des conseils, des trucs à éviter et tout ça. Voilà. Bon, qui m'ont moi freiné, donc des erreurs que moi j'ai commis et que vous n'allez pas commettre vu que je vous ai dit de les éviter. Cette phrase est un peu longue, je sais. Donc bon, c'est vrai que je vous ai même pas dit par où commencer. C'est un peu con parce que pour moi c'était quand même assez évident, mais je veux quand même vous le dire pour ceux vraiment qui sont perdus. Ils disent voilà, j'ai la somme avec laquelle je dois démarrer, mais je sais pas quoi faire avec. Ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de follow toutes les pages, tous les trucs de sneakers. Genre le site de la sneakers par exemple, ils ont un Instagram, ils informent tout le temps des dernières sorties. Donc je vous invite quand même à aller les follow, bien sûr, pour aller follow d'autres médias, par exemple Camino qui est aussi informe sur les plus grosses sorties, Fit Demol par exemple aussi, même si je pense que vous, la majorité d'entre vous follow, mais pour ceux qui ne follow pas, voilà, vraiment je vous recommande de les follow parce qu'ils vous informent vraiment sur toutes les dernières sorties. Donc c'est déjà un premier pas. Pour moi, pour commencer, il faut déjà follow les médias qui relayent les plus grosses sorties. Ensuite, tu télécharges toutes les applications type Nike Sneakers, Adidas, je ne sais quoi d'autre, toutes les applications où tu vas retrouver des paires limitées. Que déjà Nike et Adidas, c'est la base, voilà, parce que Adidas maintenant, la majorité des Yeezy sortent sur l'application en raffle, donc l'époque où il y avait des splash pages, mais non. Donc déjà, si vous avez ce pack là,
cas, généralement, ça vous permet de bien démarrer le reset. C'est assez basique, mais ça vous permet quand même de mettre un pied dedans et d'être informé des plus grosses sorties, des paires qui vont se resell et des paires qui ne vont pas trop se resell. Ensuite, ce que vous pouvez acheter, bah forcément, c'est des paires du coup qui ont été communiquées par ces mêmes médias. Donc, si Nekidoma Kamino te dit, ah ouais, il y a une paire de Sakai, il y a une paire de Travis qui sort, enfin, je pense que vous le savez, mais ce genre de blaze, vous savez que ça se resell. Enfin, il faut même les AG1, par exemple, les Air Jordan 1, majoritairement, ça se resell, comme les Dunk Low, les Yeezy, malheureusement, pour les 350 V2, c'est plus vraiment le cas, même pour les 700 V3. Yeezy, c'est un peu mort en ce moment. Ça l'était pas il y a quelques mois, maintenant ça l'est. Je pense que voilà, c'est dû aussi à 350 V2 qui a un peu tué le reste des modèles. À 700 V3, ça commence à ne plus valoir grand chose, du moins les nouveaux modèles qui sortent, notamment la Sunflower. Clairement, Yeezy, c'est un peu mort, faut un peu oublier, si ce n'est peut-être les base size sur la 350 V2. Donc quand je dis base size, je parle des petites tailles, donc tout ce qui est 39, 38, 37, voilà. Toutes ces tailles-là, généralement, vous avez un petit bénéfice de 40, 50, 60 euros dessus. Bon, ça fait un peu chier d'investir 220 euros pour se faire 60 balles, mais il faut bien débuter quelque part. Donc tant que vous faites du bénéfice, c'est déjà bien. Donc il vaut mieux partir ce principe-là que de se dire à chaque fois il faut que je fasse tant de bénéfice minimum ou quoi que ce soit. N'importe quel bénéfice est bon, même 10 balles, c'est toujours 10 balles en plus. Malgré tout, si vous n'êtes pas sûr si une paire va se revendre, comme je vous ai dit, il y a les blazes classiques type Travis, Sakai, Air Jordan 1, les Dunk Low, les Yeezy 350 V2 en B-size, toutes ces choses, généralement il y a du recel. Maintenant, s'il y a une paire pour laquelle vous ne savez pas s'il y aura de la revente ou pas, je vous invite tout simplement à regarder si vous voyez qu'il y a de la hype autour, si Camino en parle, si Fit Demon en parle, si le site de la sneaker s'en parle, etc. Que lorsque les raffles sont lancés, donc par exemple des raffles Instagram, ça c'est une très grosse indication d'ailleurs, si il y a une raffle Instagram qui est lancée, donc la raffle Instagram c'est oui, faut taguer deux amis, tout ça. Si vous voyez qu'il y a 15 000 commentaires, c'est que la paire va se recel. Pour certains modèles, on arrive à avoir, je sais pas, 2-3 000 commentaires, ce qui est ridicule. On va pas se mentir, là tu sais très bien que la paire va pas se revendre, que personne la veut. Quand tu vois sur un post 15 000, 16 000 commentaires, un post raffle, c'est que la paire va se revendre. Ça c'est déjà une indication. Si tu vois que les stars apportent la paire, si tu vois que la paire elle tourne souvent en story sur les médias type Camino, Fit Demol, le site de la sneakers, bah, c'est que la paire va se revendre aussi, etc. Donc là je vous ai donné deux conseils, je vous ai dit comment débuter et comment savoir si une paire va se revendre. Ça au moins c'est fait. Donc là je vais vous dire tout simplement comment savoir s'il faut vendre assez vite une paire ou si vous pouvez vous permettre de la stocker. Pour savoir ça, bon, dans un premier temps, il faut se référencer à la hype. Vous voyez qu'une paire elle fait que tourner H24, forcément c'est une paire qui peut être intéressant à stocker. Là je vais vous donner un conseil quand même, pour ceux qui débutent dans la sneakers, selon moi c'est pas très intéressant de stocker, voilà, je vous le dis. Si vraiment vous avez pas forcément énormément de fonds, vous amusez pas à stocker, voilà. Une personne qui peut se permettre de stocker, faut qu'elle ait au moins 1000, 1500 balles de budget au moins sur elle, pour pouvoir se permettre de stocker, sinon ça sert pas à grand chose en fait. Si tu stocks à chaque fois une paire que t'as, ton bénéfice tu prends pas, et du coup ça t'indique à plus qu'autre chose. Donc pour tous ceux vraiment qui débutent, je vous recommande juste de sell tout le temps, de tout en vendre assez rapidement pour réinvestir sur d'autres modèles, parce que il y a des sorties H24, vraiment c'est toutes les semaines il y a des grosses sorties. Si à chaque fois vous vendez, hop, vous reprenez votre bénéfice, vous le réinvestissez sur une autre paire, et dès que vous atteignez, je sais pas moi, peut-être 1000, 1500 euros, là vous pouvez stocker, voilà. Si vraiment une paire, vous savez que c'est une pépite, que vous avez doublé, triplé ce que vous avez investi, bah forcément, why not, vous pouvez la stocker. Mais je vous recommande clairement, pour ceux qui débutent, de vendre assez rapidement, vous cassez pas trop la tête. Mais bon, pour savoir si une paire du coup va prendre de la valeur plus tard, faut se référencer à la hype autour de la paire. Si vous voyez que c'est une paire qui tombe énormément, qui est portée souvent par les stars, que les médias relaient énormément, que vous voyez beaucoup en général sur Instagram, sur les réseaux, généralement c'est des modèles qui vont prendre de la valeur. Après, pour mentir, c'est un peu difficile. Là je vous donne vraiment la base, mais des fois c'est un peu de l'instinct. Voilà, tu reçois une paire, tu vois qu'elle est incroyable, tu te dis bah celle-là je la stocke, et bon, peut des fois te foirer, des fois non. Maintenant aussi un peu d'instinct, il y a des paires, voilà, tu peux très bien te dire oh celle-là c'est sûr on va prendre, mais alors que pas du tout mon frère. Par exemple la Jordan 1 UNC to Chicago, j'en ai parlé lors de la première vidéo sur les bots, mais cette paire beaucoup pensaient qu'elle allait prendre, et on va pas se mentir, elle a pas trop bougé. C'est pas toutes les paires qui prennent, c'est pas juste parce que c'est une Jordan 1 qu'elle va prendre, c'est pas parce que c'est une Dunk qu'elle va prendre, etc. Ou peut-être qu'elle prend après longtemps. Donc faut savoir aussi si vous êtes prêt à stock 6 mois, 1 an, voire 2 ans, tous ces paramètres à prendre. Donc vraiment je vous le dis, pour ceux qui débutent, vous cassez pas la tête, vous vendez et passez à autre chose. Et vraiment pour ceux qui ont les moyens de stock, prenez ces indications que je vous ai données, et aussi il faut aussi avoir ce truc là de sentir un peu à vous de voir quoi. Maintenant on va passer à une autre question que certaines personnes encore m'ont posée. On va poser la question suivante: où vendre ses paires? C'est vrai que c'est con, mais pour moi c'était plus ou moins encore logique, j'aurais dû vous le dire, et c'est clairement pour les débutants pas forcément évident. Donc là, je vais vous dire clairement ce qu'il faut vendre ces paires. Bah, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de les vendre sur StockX, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de les vendre sur Klaik, c'est possible. Si vous avez envie de les vendre sur des marketplaces Facebook, c'est possible aussi. Sur Vinted, sur Le Bon Coin, tout est possible. Maintenant, il faut peser le pour et le contre. Donc, quand je dis le pour et le contre, je fais référence au risque et au bénéfice. Sur StockX, le truc qui est bien, c'est que quand tu vends ta paire, t'es sûr à 99% de recevoir ton argent. Il y a quand même très peu de chances que ton colis se perde, etc. Ou qu'il fasse mal au legit check. Généralement, tout se passe plus ou moins bien. Un petit disclaimer, mais le risque zéro n'existe pas. StockX peut très bien mal legit check ta paire et te la renvoyer et te facturer
générer des frais. Ton colis peut très bien se perdre. Plein de choses peuvent arriver, mais vraiment, là, je vous parle vraiment de 99% des cas. Tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. Votre paie est legit correctement. Vous recevez vos sous correctement. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Mais voilà, ne commencez pas à stresser. Ça peut prendre des fois du temps pour qu'ils vous envoient vos sous, etc. C'est à vous de voir où ce que vous voulez vendre. Maintenant, là, je vais parler du coup des autres. Donc, tout ce qui est Facebook, Vinted, etc., le bon coin. Ce qui est bien sur ces plateformes, c'est que vous prenez, on va dire, une plus grosse marge que sur StockX, Collect, etc. Maintenant, le risque, c'est que vous avez plus de chances de vous faire scam, donc de vous faire arnaquer. Parce que voilà, il y a des arnaques, hein, c'est le monde qui est comme ça. Il y a des êtres humains, tu vois, enfin, je sais pas si on peut parler d'êtres humains, mais il y a des choses qui se lèvent le matin, qui n'ont qu'un objectif, c'est vous arnaquer et vous voler vos sous. C'est comme ça, il y a des mecs qui sont malhonnêtes. Et donc voilà, il faut faire avec, il faut s'adapter. Bien sûr, il y a des techniques pour éviter de se faire arnaquer. Je sais pas, moi, tu vas aller sur Vinted, si tu vois que le mec te dit, ouais, j'aimerais bien qu'on passe par PayPal. Je t'envoie les sous par PayPal, comme ça j'ai pas de frais à payer. Quand vous vendez votre paire par exemple sur Vinted, ne passez que par Vinted. Ne vendez jamais quoi que ce soit hors Vinted. C'est con, mais il y en a beaucoup qui sont arnaqués comme ça, qui se disent oh, bah, il a sûrement raison, il veut juste pas payer des frais. Non, les frères, il veut juste vous avoir. C'est pas votre problème. S'il paye des trucs, il les paye. Vous lui dites et vous lui parlez même pas en fait. Hop, tu keblo, passe à autre chose. Donc vraiment, si vous voulez éviter de vous faire arnaquer, il faut passer tout simplement par la plateforme sur laquelle vous vendez. Maintenant, la dernière fois, je vous ai parlé d'un type de resell, c'est le fait d'acheter des paires au resell. Là, j'ai un peu dit 50 fois le mot resell. Pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, vous allez, j'imagine, voir la vidéo. Mais j'avais dit que certaines personnes, au lieu d'acheter des paires en magasin, bah, ils achetaient directement les paires au resell chez des particuliers. Donc voilà, il y a une paire, par exemple, de Mocha, ils vont la trouver à 250€. Ils vont dire, voilà, je vais la prendre et je vais la stocker en espérant qu'elle prenne la valeur. Donc ça, c'est un type de resell. Donc certains sont venus, ils m'ont dit, ouais, mais frérot, on fait comment pour trouver des paires pas forcément trop chères au resell pour pouvoir, du coup, se permettre de hold tout ça. Pour trouver des paires pas chères, c'est simple, c'est sur Facebook que ça se passe. Voilà. Sur Vinted, généralement, c'est un peu rape, mais il y a moyen de négocier. Donc bon, Vinted aussi, je peux vous recommander. Le Bon Coin, ces trois plateformes. eBay aussi. Donc eBay, j'en parle pas trop parce que je ne passe pas par eBay. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, j'évite. Mais vous pouvez trouver peut-être des trucs sur eBay. Voilà, on va dire ces quatre plateformes-là, c'est là où vous allez chercher vos paires au resell. C'est là où vous trouverez, on va dire, les meilleurs prix, je pense. Du moins des meilleurs prix que sur StockX pour du coup se permettre de hold, etc. Encore une fois, si vraiment j'oublie quelque chose, bah, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, le follow avant. C'est très important. Donc c'est Kraken Sneakers to coller. Je mets aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, des story de ce que je cope, des photos de sneakers. Donc si t'aimes bien les photos en général, bah, tu peux aussi, c'est très intéressant de follow. Et voilà quoi. Bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne, c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit sur les bots ou sur le resell, encore une fois, car je compte faire du coup des d'autres vidéos sur le resell. Donc bien sûr, faut s'abonner, voilà, c'est con, tu vois, mais comme ça tu vas devenir un crack, frère. Tu vas devenir un crack, faut s'abonner. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas te battre, en fait, tu vas te battre, c'est ça, tu vois. Merci à tous ceux qui feront toutes ces choses. Comme je vous l'ai dit, mon Instagram, mon Twitter aussi, pour ceux qui ont Twitter, c'est Kraken Sneakers tout collé. Tu peux aussi me DM sur Twitter. Sur ce, je pense vous avoir tout dit. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les bots, et là c'est sûr à 100%. Sur ce, à la prochaine, ciao. Devenir un wholesaler professionnel, ça fait plaisir.